Le gouvernement qui mise sur la vaccination et veut renforcer aussi le contrôle, les contrôles du pass sanitaire. Moins de 10% des bars ou restaurants sont contrôlés aujourd'hui. Mais pour Franck Delvaux, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Paris-Île-de-France, ce n'est pas cela qui stoppera le virus. Le 31 décembre, en étant assis à une table sans pouvoir danser, ça donne pas vraiment envie. On sait très bien qu'il va y avoir de nombreuses fêtes qui vont s'opérer dans des logements, qui vont être loués sur Airbnb ou autre. Et puis là, il y aura zéro contrôle. Il y aura pas de masque, pas de passe sanitaire. Et là, bah, ça se passera comme ça se passera. Et les contrôles se feront une fois de plus encore chez nous, chez les restaurateurs, chez les hôteliers. Donc, Julie, on est vraiment la profession qui est la variable d'ajustement de ce gouvernement depuis le début de la crise Covid.